Quand on ne voit pas, on est davantage à l'écoute que les autres. On prend, on capte, on décrypte chaque son pour les transformer en images. Un son apparaît, puis disparaît. Un son apparaît, alors une chose puis apparaît. Disparaît. Et alors une chose apparaît. Quand on ne voit pas, on est davantage quand on ne voit pas, on est davantage sensible aux textures. On surprend des vallées, une surface, et des montagnes, on surprend des vallées, et des montagnes, une matière. On transforme ce paysage tactile en monde en volume. C'est la promenade. Trois dimensions. C'est la promenade de l'aveugle.